Bonsoir, mes scorpions, mes scorpions, c'est à votre tour. C'est Nati, comment allez-vous? Je tenais à vous remercier infiniment pour tout ce que vous faites, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, surtout ceux qui s'abonnent. Bah, écoutez, vous faites grandir la chaîne, elle serait rien sans vous, donc merci infiniment. Allez, on va regarder, c'est du 3 au 10 mars 2024, il y a une pelote de laine là. Alors, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, il faut être dans l'action, il faut bouger, il faut se botter les fesses, l'arrière-train. Il faut se botter les fesses parce que là, vous êtes dans une pelote de laine, vous êtes emmêlé. Et là, il faut agir. Mais concrètement, qu'on vous dit, hein, d'accord? Et là, les difficultés, bah, elles auront tendance à s'évanouir. Là, il faut sortir de sa zone de confort. Là, vraiment. Et derrière, il y a l'amour, d'accord? Bon, l'amour, c'est compliqué. Enfin, c'est pas l'amour qui est compliqué, c'est l'être humain, c'est pas pareil. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben là, en fait, si vous voulez, peut-être que vous ne voyez pas quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous aime, peut-être que vous n'avez pas remarqué, peut-être que c'est amical, c'est un ami, un pote ou une, et en fait, vous ne captez pas que cette personne, en réalité, elle a vraiment des sentiments, mais encore plus fort que juste amical, que ça soit sentimental, hein, d'accord? Mais en tout cas, on a ça hein, quand même. Hein. Pour d'autres, n'oubliez pas tous les gens qui vous aiment autour. Vous êtes, il y a du soutien. Il y a des gens qui sont autour de vous. Ne les oubliez pas. Pour d'autres, en fait, certains de vos ancêtres, enfin certains défunts plutôt, je dirais, demandent peut-être de l'amour, de la lumière, peut-être une petite bougie. C'est possible. Ça dépend. Alors. Light Circe Tarot. Qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions, mes scorpions? La lune, on a un choix à faire, on est dans le brouillard, c'est nébuleux. Au lieu que ça soit équilibré, c'est déséquilibré. Ben dis donc. Pas tout le monde a. Et on a un rival ou une rivale, d'accord? Après, c'est soit vous avez des actions en justice et ça se passe mal, d'accord? Il y a un déséquilibre forcément et ça va pas dans votre sens. Et c'est possible que bah, le côté rival, ça soit la partie adverse, vous voyez, en face de vous, la personne ou la partie adverse, c'est possible. Et qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'argent, on n'est pas d'accord, en tout cas ici. Pour d'autres, il est possible qu'on a une rivale ou un rival hein, qui s'intéresse soit à vous, soit à votre autre, d'accord? Donc, ouais, c'est possible. Et pour d'autres, en fait, vous allez tout faire, vous avez de la concurrence, vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez obtenir, hein. Bon, on parle de rivalité, on parle quand même de. On parle quand même ici, on parle de triangulaire, de rival, on parle de ça quand même, pour certains et certaines. Pour d'autres, ouais, on parle du beau parleur. Peut-être que la personne, elle vous dit oui, mais non, mais tu te trompes, c'est pas vrai, des trucs comme ça. Et pour d'autres, en fait. On vous parle de mettre de l'argent rapidement de côté, puis on est dans la souffrance, dans la douleur, de toute façon. On est dans le cri. Ouais. Il y en a un des deux là qui trompe. Pour d'autres, on vous demande de mettre de l'argent de côté par rapport à vos objectifs. Et d'autres, vous allez obtenir une négociation. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, vous allez avoir la pêche dès que vous allez faire le choix. D'accord? Certains de vous. Et certains de vous, on vous dit, vous êtes dans le manque, vous n'allez pas bien, vous dormez mal, vous pensez beaucoup, votre cœur a mal, on se sent trahi, on se sent pas bien, tu m'étonnes. Et pour certains de vous, maintenant, on vous parle de justement
de négociation et peut-être vous montez en grade ou alors vous démarrez un nouveau emploi ou dans un nouveau service, quelque chose comme ça, hein. On démarre quelque chose. Après, ça peut être aussi que, après des communications, ça peut être, vous savez, on démarre une relation, mais ça peut être on part. Le départ avec le fou, hein. Mais on ne sait pas trop où on va, quoi. Mais on est triste, on va pas bien, on est dans le manque. Moi, j'ai quelqu'un qui a dû rompre, peut-être, ou qui va pas bien par rapport au choix de votre choix à vous. Peut-être que vous vous êtes dit, ben, je suis obligé de faire ce choix-là. Ou alors, c'est possible, c'est le choix de votre autre. Oui, j'étais à 18, c'est pour ça qu'il fait froid. Oh non, ma chérie, toi, tu es dans ta petite laine, ta couverture. Oh, je sentais le froid. J'ai augmenté. Donc, en fait, si vous préférez ici, ouais. Ouais, on va pas bien. On va pas bien par rapport au choix. Après, j'ai affaire quand même à un beau parleur. Parce que le magicien, faut pas oublier, c'est ça aussi, hein. Pour d'autres, bah, vous allez être dans la joie, dans la fête, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez du changement, il y a une rentrée d'argent, ça vous fait plaisir, tant mieux. D'autres, vous allez pouvoir épargner. En tout cas, on vous le conseille, épargner pour un projet. Alors, en couple ou en relation, on va voir. Alors, la réconciliation, parce que vous vous dites c'est lui, c'est sûr, c'est elle, c'est sûr. La manipulation. Alors, c'est la manipulation. Soit la personne, elle utilise sa religion ou sa spiritualité pour vous manipuler. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu fais ci, il va t'arriver ça. Mais cette personne, moi, je dirais, elle n'est pas Dieu. Donc, soit. Et elle manipule. Bah là, j'ai un couple qui va pas bien. J'ai un couple en crise parce qu'il y a un nouvel amour et il y en a un des deux qui veut pas lâcher l'autre, qui veut absolument laisser une chance à son couple. Et il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour et ça crée des problèmes forcément. Hein. Oh, comment je vais faire là? Alors là, je me demande si ça va pas couper, donc je vais rien faire. Je vais le faire après. Parce que il me reste. De toute façon, il me reste 2 minutes. Alors. Je peux pas. Laissez-vous aider. Vous avez besoin. Ouais, je comprends, vous méritez l'amour. Mais laissez-vous aider. Moi, je pense qu'ici, il y a des gens qui se sont réconciliés. Qui se sont réconciliés. Mais il y en a un des deux qui manipule l'autre, qui a une emprise. Et à l'extérieur, qui a quelqu'un. Et il y en a un des deux qui veut pas lâcher l'autre. Hein, qui veut pas lâcher l'autre. Et qui veut laisser une chance au couple et tout ça. Il y a des problèmes à traiter de famille. Donc voilà. On vous demande, on vous dit, laissez-vous. Vous avez besoin d'appel d'aide par rapport à votre couple. Mais vous avez une tierce personne ici, un nouvel amour. Il y en a un des deux qui a rencontré l'amour. Ou qui connaît cette personne hein, aussi, hein, c'est possible. Ça peut être une ex, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, sinon. Mais célibataire, waouh! Moi j'ai quelqu'un. Vous allez passer de l'autre côté du pont, de la rive. Pour rencontrer cette personne, le rencard, vous l'avez. Ouh, il y a le rencard. Parce qu'elle vous plaît bien, cette personne. Ouh, à l'extérieur, c'est tout ce qui est public. Ça peut être les restaurants, ça peut être le cinéma, ça peut être un bar, enfin une brasserie plutôt, parce qu'un bar. Mais oui, mais il y a des belles choses. On va discuter, c'est. Voilà, on va jouer un peu aux intellos. D'autres, ouh, c'est joli. Il est temps en fait. Oui, vous parlez beaucoup ensemble. Parlez beaucoup ensemble et vous vous dites, bon,
Je veux découvrir si cette personne, ce qu'elle raconte, si elle est sincère, si c'est en adéquation avec ce qu'elle dit. Voilà, moi j'ai ça et j'ai la chance ici. Hein. Bon, c'est quand même les dés, vous savez très bien, comme ça, ça passe ou ça casse. Bon, mais il y a un rencard ici, c'est sûr. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon rencard. J'espère que ça va fonctionner de tout mon cœur. Voilà, vous me direz si vous en avez envie, bien entendu. Mais là, il y a un bon petit rencard. Bon, bah écoutez, si vous avez besoin de mes services, de mes dons, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, là où il y a écrit « Afficher plus », vous cliquez sur le « Afficher plus » et ça se déroule. Et vous avez mon mail, vous avez mon site de voyance natinatura.com ainsi que mon site à bijoux Tiffany Enjoys. Voilà, ça c'est autre chose. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite bonne fin de semaine. Au revoir.